Bonjour et bienvenue sur Banzai Live pour la suite de notre run normal avec les Resting Hulks. Je vous présente Top Gun, Keket Mech et Pulsex. Pulsex piloté par Black May, Adrian. Mais attends, mais on va l'appeler Adrienne. Adrian le Rock. Et lui il s'appelle Archimède. Non mais attends, mais non, mais non. Mais non, tu es un womanizer. Et donc, on s'est dit, allez, ce qui nous manque surtout sur cette run là, j'aurais en soi j'aurais eu plus de grilles en défense, on se serait attelé à la mission finale pour essayer de le finir enfin en normal ce putain de jeu. Mais nous voici donc partis dans le monde des détritus où le Pinacle Robot. De chez Pinnacle Robotique. On va aller au monde des détritus. Parce qu'il s'y passe des choses très intéressantes. Il faut tuer 4 ennemis avec. Ah non, tuer 4 ennemis qui souffrent d'acide. Donc, lui, il envoie un projectile qui donne de l'acide. Et l'acide, je ne sais même plus ce que ça fait. Là-dessus, on est parti. Il y a un Blood Psion qui régénère un PV à chaque fois que ça joue. Alors tout de suite ça vise le tank. Ok, donc le tank n'a plus de ligne de mire. Ok. Et sauf que lui il attaque là-bas. Ah oui, d'accord, donc c'est déjà un peu chiant. Donc le but hein, c'est d'essayer d'infliger le maximum d'acide. Lui il va attaquer comme ça. Lui il y tire nulle part. Lui par contre il essaie de faire 3 dégâts là-bas. 3 dégâts là-bas. 3 dégâts là-bas. Lui essaie quoi de faire 3 dégâts là-bas. Donc ce qu'on va faire, hein, écoute, je vais t'empêcher de jouer. Mais c'est vrai qu'il fait 2 dégâts maintenant ce truc. C'est trop bien. Et on oublie le psion, voilà. Comme ça, en plus, il prend un dégât derrière. Là, c'est juste que toi, t'es loin maintenant. Et toi, tu peux rebouger. Il faut tuer 4 ennemis avec de l'acide. Donc, on va éviter de faire en sorte que les ennemis ne puissent pas sortir de terre. Donc, on va juste créer un petit tank. Pour éventuellement. Tiens voilà, bon même mon tank a 3. Je rappelle que mon tank a 3 PV. Donc là pouf, je peux lui envoyer enlever un PV en le faisant bumper contre la montagne. Attends, pourquoi il a déjà perdu 2 PV? J'ai pas compris là. Il y a un truc qui m'a échappé. Il a déjà perdu 2 PV mon truc. Donc là il est acide, acidifié. Ah oui, c'est que les dégâts freinent 2. Ah oui, le scarabée et l'abeille, putain. Ah ouais, d'accord, effectivement. Bon, ok. Du coup, on fait, c'est que cette libellule aussi, elle prend la dose. Lui, il veut attaquer ça. Sauf que moi, je dis non, non. Non, 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 don't fuck with my heart. Lui veut faire 3 de dégâts parce que il est comme ça. Donc tu sais pas quoi, tu sais pas qui. J'aimerais pouvoir pousser un mec de l'autre côté, mais ce n'est pas possible. Ah si, attends, si je me mets là, que je fais ça, que je fais ça. Voilà, lui, il se mange ça. Ah mais du coup, ça va taper.
Merde. Ah merde. Non, attends. Faut que je trouve un moyen d'août en prévenant cette attaque-là. De prévenir celle-ci. C'est ça la priorité. Enzai Live. Toi, écoute, The Bilamouche, prends-toi, fais-toi asperger. Donc, éventuellement. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que ça. Et lui, je lui tire dessus comme ça. Faut tuer quand même 4 ennemis avec de l'acide dans le cul, quoi. Ah, c'est complexe, hein. Et là, du coup, si lui, je le tue sans lui faire un coup d'acide, ça va être chiant. Pareil pour lui. On va sauver notre tank. Lui veut faire 0, lui il veut faire 1. Ah oui, non, bah, voilà. Par contre, il faut quand même que je l'empêche lui d'attaquer. Éventuellement, ce que je peux faire, bah, c'est le tuer. Comme ça, c'est un peu réglé, on va dire. Comme ça, c'est un peu réglé. En attendant d'acidifier autre chose. Mais là, qu'est-ce qu'on fait, les mecs? On s'en jette un? Qu'est-ce qu'on fait? Ce que je peux faire, c'est essayer de prendre celui-là. Lui qui veut sauter là. Clac, et ça le comme ça, il sautera dans la fumée, au pire. Lui il sautera sur l'autre et puis on verra bien. Ah ouais, en fait du coup ça va le tuer, il sera pas acidifié, merde. Ah mais si, vas-y, acidifie-toi. Et voilà. Yes. Toi tu peux, t'as qu'à revenir là, écoute. Maintenant ça fera 3 ennemis acidifiés. Bleh. Non mais il saute pas, oui c'est vrai, je suis con mais... Ah, donc maintenant il faudrait que je tue ces deux cons là. Et un troisième, genre le leaper là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va là, ok. Ah oui mais non mais c'est... Tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes grave. Ce serait bien que vous mouriez les gens. Alors vois-tu, en fait toi tu es mort. Voilà. T'en fais 3. Ah non, pardon. J'ai rien dit. Ah mais toi, faut que je t'empêche de jouer. Bon, en gros, je vais tuer ça, je vais acidifier ce truc là. Passer là, pousser ce mec là, et lui tirer dessus. Et ah, mais l'autre va essayer de me taper dessus. Ah, donc le mieux ce serait bien de se barrer en fait. Et là, la vie est belle. Ouais. Après, attends, lui il fait 3 de dégâts. Il fait 3 de dégâts donc. Mais oui, mais si je m'acidifie ici, ça va me faire 6 de dégâts, donc c'est pas le bon plan. Non mais on fait ça. Salut.
Du coup, on a plus qu'un ennemi acidifié. Faut absolument le tuer. Et lui, il fait 3 dégâts. Oh, mais attends. Là, il y en a qu'un qui veut attaquer ça. Comment on fait? Ah, le temps qu'il peut mourir, c'est pas grave. Ça fait 4. Ah non, je peux pas tirer dans l'autre sens pour faire un nuage de fumée. Merde! Merde, 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 merde. Si je lui tire dessus, là, ça va le pousser. Ah bah non, si je me mets là. Mais non! Parce que la smoke... Comment je fais? Parce que là, je peux essayer de le tuer, mais ça le pousse dans un immeuble. Mets du prout, mettons un nuage de prout. Va dans l'acide et tire. Mais ouais, mais ça va faire... Ça me fait perdre un point de grille. Mais je crois que sinon, vaut mieux ça que d'en perdre... De toute façon, on en perd un. Enfin, genre le tuer pour pas perdre un point de grille... C'est chiant parce que là je devrais pouvoir tirer là au-dessus de ma tête et puis faire un prout et puis le stunner quoi. Ah, et toi qui sert à rien quoi, bordel. Tente la chance. Ouais, ben, vaut mieux croiser les doigts quoi. Dans le lac d'acide en bas en te collant à lui. Hein? Mais ça va faire un nuage à côté derrière moi, pas devant lui. Je peux pas faire un nuage sur lui. Ils sont deux, attaque la grid. Non, non, lui il attaque son pote. Lui il attaque le bouclier, mais lui il attaque ce truc là. Mets-toi dans le nuage. Oui, mais une fois dans le nuage, je peux pas attaquer. Ah, je devrais avoir l'air de péter en arrière là. Dans un nuage, on ne peut pas attaquer, mais chute à la fin. Désolé Gunther, tu dis n'importe quoi. L'acide derrière l'immeuble. Bah, c'est-à-dire que soit je fais ça et je suis sûr, je le tue, mais en même temps je suis sûr de perdre un point de grille, soit je le laisse faire et j'ai 18% de chance de sauver quoi. Donc, et de toute façon il peut me faire perdre qu'un point de grille. Oh là là, c'est tellement frustrant. Dans le lac en haut à droite. Mais... Déjà, je peux pas y aller. Mais en plus, de toute façon, une fois dans l'eau, je ne peux pas tirer. À 18% dans tous les cas. Ah bah oui, parce qu'il y a moyen que ça fasse pas de truc. Bon bah allez, c'est parti. Merde! À la base, on voulait se refaire. Hein. Je rappelle.
A la base, on voulait se refaire de la grille. Remarque, on pourra toujours en acheter. Oh, plus 2 mecs HP. Ouais. Oh, Pulsex. Pulsex. Putain, mais maintenant, ils deviennent extra tanky, c'est fou. Vas-y, j'aimerais un truc qui donne des grilles. Protect the power generator et end battle with less than 4 mech damage. 4 mech damage et protect the cold plane. Voilà, celles-ci, elles ont l'air bien. Ah, il y a des téléporteurs en plus. C'est vrai. Oh, mais le cold plane, il est totalement, totalement perdu, quoi. Très bien. Ah non, par contre, il y a les petites bombes, ça c'est horrible. Oh, regardez, putain, dès qu'il y a les blobs, c'est le festival des cases galeriers. Et lui, il veut directement attaquer le truc. Donc, faire foirer l'objectif dès le début, alors qu'il est là. Regardez où il est. Regardez où il est, ce fils de pute. J'ai pas d'autre choix que de le tuer tout de suite, là. Voilà, et maintenant, plus personne fait de dégâts, sauf lui qui essaie de tuer la mouche. Tout seul, sauf que... Ah oui, mais là, si je le pousse, il prend que un dégât. Eh oui. Alors que... Si je vais là... Je fais ça. Clac, et ça m'emmène là. Ok. Ce serait bien, ce serait que je fasse un tank... Que je fasse un tank. Ah mais là soit je fous mon tank en intoxication, soit je le. Essayer de me déplacer. Moins de 5 mecs damage, moins de 4 mecs damage, ok, ça marche. Le truc c'est que ce machin est vraiment chiant. Attends, je vais mettre un tank ici. Dommage qu'ils prennent pas deux coups parce que là il va se régénérer tout de suite, donc c'est pas très très malin ce que je fais. Non, attends, vaut mieux bloquer les trucs qui sont là parce que le call plant il est ici. Allez, c'est parti. Quoi? Attends, mais suis-je con? Pourquoi? Mais attends, mais comment j'ai pu être autant concentré sur ce truc de merde pour pas finir par sauver le blob, quoi? Mais je suis idiot! D'accord, tu peux pas finir ton déplacement. Je suis un idiot. Ah, l'option profite pas de son bonus, d'accord, ok. Bon, de toute façon, il est mort.
Et ils focus tous l'avion, mais ils sont très cons, c'est très bien. Ah ouais, mais attends, là, ça va être chiant de le taper. Il faut genre... Faut faire ça. Lui, il veut taper comme ça. Lui, il veut taper comme ça. Lui, il veut exploser. Bah écoute, j'ai envie de dire explose, hein. Lui veut péter cette mouche. Me faire 2 de dégâts. Mais attends, si, là, si je lui fais déjà 1 de dégâts. Là, du coup, il prendra 1. Le truc, c'est que j'ai pas trop envie de faire le con. J'ai pas envie en plus de m'intoxiquer, mais en même temps j'ai bien envie d'en tuer quelques-uns. D'accord que là rien ne va mourir, hein. J'en ai un peu marre de la vie. Maintenant j'ai pris qu'un dégât de mec. Les autres ils attaquent n'importe quoi. On est bien, il y a juste lui qui peut encore bouger. Du coup je vais foutre là, histoire de bait. On est bien. Le scarabée, je vais pas le tuer tout de suite tant qu'il vise pas le machin. De toute façon, je pourrais le tuer après. Voilà, là il attaque le call plant, ok, donc on s'en occupe. Lui, je peux juste le pousser. Lui, il veut m'attaquer moi, plus le truc. Ah, ça c'est chiant par contre. Ce qu'on va faire. On va désamorcer les crises une par une. 1. Merde. Merde. Là, je vais forcément prendre un dégât, quoi. Vaut mieux parier sur la save ici. En plus, je peux même pas le tuer. Ah, c'est ça le pire. C'est que j'ai pas vraiment moyen de le tuer là. Même si je voulais. Sauf que si je me mets là. Oh putain. Si j'avais tué le scarabée au tour précédent, tu serais pas emmerdé. Oui, bon, mais écoutez. Merde. Pop. Et les trucs, c'est pas trop grave. Ça, ça peut prendre des dégâts. Ça, ça va me faire des dégâts. Mais le but. Avec un missile qui le pousse sur la montagne. Ouais. Non, là ça le tuerait comme ça, paf, lui il n'existe plus. Ensuite, lui je peux le repousser, lui je peux faire claque. Et le but c'est que je puisse. J'aimerais trouver un moyen de pouvoir pousser l'avion pour qu'il puisse avoir une case de plus pour aller emmerder ce mec là, mais sauf qu'en fait non, mais même si je voulais, je pourrais pas.
Ça va être encore une histoire de... Il va exploser la truc. Là, il... Oh! +18 = 100. On l'appelle Moulman. C'est imperfect. On l'appelle Moulman. Je l'avais annoncé. Mais en même temps, vous le dites à chaque fois que ça va sauver. Oula! Pas très rassuré, garçon. Au moins 4, moins de 4 damage et protéger le power generator. Ok, ça marche. Reset ce premier tour. Mais non! Mais putain, mais bordel, mais où sont mes yeux? Où sont mes yeux? Où sont mes yeux? Mais non, mais quel con! Ah, puis là, puis bonjour, quoi! Ah non, mais là, c'est tellement foutu! Aveugle Moulman. Mais non, ils vont tout casser! Mais c'est infect! Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non, j'ai pas trop le choix, quoi. Oh mais non, ça y est, on a pris trop de... Oh, ça a résisté! Putain, par contre, on a pris trop de dégâts. Tant qu'on protège le générateur, c'est bon.
100%. 100%. En même temps, on a déjà pris un dégât, donc c'est trop chiant, quoi. Bon, tant qu'on protège ça, on peut regagner le truc qu'on a perdu bêtement, quoi. On a pris 7 dégâts, quoi. Ah, mais je suis bloqué, d'accord. Il veut me faire 3 dégâts. Bon, très bien. Moi, je veux te faire mal, comme ça, voilà. Voilà, je veux que personne puisse aller là. Ensuite, je veux faire un petit tank comme ça. Le petit tank il va là et te tue. Mais suis-je con? Mais non, mais là je mérite de mourir. Pourquoi ça se termine si mal? On voulait juste faire une île de plus pour être plus refait pour faire la mission finale. Ah, je me fais mal à la tête moi-même. Tout ça pour pas prendre trop de dégâts, quoi. Truc qui n'a jamais servi à rien. Vous voulez rien faire de toute façon, quoi. En fait, quand je ferme ma gueule, je pense que je suis plus concentré, quoi. Level up. Bon, ben voilà, on n'a pas transpiré, hein. Finalement, c'est le time pod qui est le plus intéressant. Voilà, pod content. Fire projectile that hits 2 tiles et un réacteur core. Plus 3 grilles de défense. Maintenant, on est à 21%. Donc parlez bien. Attends, mais ouais. C'est forcément lui. Ah! Ah! Bah, je l'installe, mais je suis pas convaincu. Hein. Alors, je peux faire en sorte de me shield quand je fais un truc. L'artillerie, est-ce que ça a besoin de tant bouger que ça? Et qu'on pourrait pas, par exemple, éventuellement faire en sorte qu'il fasse plus mal? Je sais pas ce que vous en pensez. On part là-dessus. Regardez, ça c'est simple, ça va être facile, on va gagner un truc de grille. 21% égale 100, égale 110 même. Ah ouais, non mais là vous cherchez vraiment la merde. Tout le monde va être intoxiqué. Oh, le pod il arrive là-bas. Il faut protéger le truc en bas du slip. En bas de mon slip. Et voilà. Et en plus, ça fait des toiles d'araignée. Et l'autre il veut tirer sur. Au moins des trucs sont boucliers. Tu sors de l'eau, fils de pute. Bon, alors déjà, je vais pas me faire embrouiller. Paf. Voilà, ok. Ensuite, toi maintenant t'es intoxiqué. Mais paf, tu meurs. Je vais juste là. Et là, je vais là. Alors, soit je vais là et je te pousse dans l'acide, mais je suis intoxiqué. Ah, mais j'ai le bouclier. Du coup, ça m'intoxique pas. Oh, c'est trop bien. Bon. Et
On est d'accord que personne ne baise personne. Qu'est-ce que vous racontez? Personne ne va sucer personne. Voilà, ils marchent tous dans l'acide. J'ai pas besoin de le tuer. Lui par contre faudrait que je le tue rapidement. Et dans ce sens là. Faudrait que je te tue à l'envers. Tu me dis ce que t'en penses. Toi il faudrait que je te... Alors je pourrais me mettre là. Faire un tank, mettre le tank là, pousser le truc ici. Voilà, ça tu tapes dans un bouclier, je m'en fous. Toi t'as 2 PV. Alors attends, qu'est-ce qu'il vaut mieux tuer en premier? Ah mais du coup je peux me remettre sur un autre truc. Alors là. Il veut attaquer le truc armor, le machin arrive, il est déjà intoxiqué. Le Beetle, il reprend la max. Toi, t'as l'air d'être pas gentil. J'ai bien envie de te tuer quand même. Toi, t'as pas l'air méchant non plus. Donc en fait ce que je propose c'est de t'ignorer, d'empêcher les autres d'arriver, de réparer mon avion, de rester là où je suis. De toute façon t'as qu'un backup, à quel point tu vas nous faire peur? Ok. Ah bah le tank à 3 HP c'est goldé hein. Voilà attention, je tremble, je peur, waouh. Si vous arrivez à faire exactement ce que vous voulez, vous pourrez détruire un tank conduit par un drone. Vous êtes vraiment des cons. C'est d'ailleurs tout ce que recherchent tous ces cons, ce batteur. Ok, Adrienne. Adrienne est une femme, hein, au fait. Hein. Voilà, c'est totalement le GG. Là voilà, on l'a eu ce truc. J'avais dit que c'était facile, on l'a fait. Et en plus on a un time pod. Et le petit réacteur, ouais. Attendez, j'avais dit c'était quoi? Ouais, que Kekette mec avait pas forcément besoin. Ouais, parce que c'est plus un de move en fait, c'est pas très très grave. Mais quoique ça risque de le devenir. On verra. Ouh là là. Faut tout de suite aller faire le truc. On le garde pour tout à l'heure, pour peut-être acheter un vrai truc. Madrienne! Je suis trop saucé par ce jeu quoi. Ah mais attends, il y a un énorme lobby. J'ai oublié ce qu'il fait déjà. On l'a fait qu'une fois en fait, le monde des détritus. Comme par hasard, le monde des détritus, c'est un indien qui est en charge, hein, voilà, hein, chez eux, il y a des vaches qui se baladent, qui gisent par terre. Voilà. Je dis ça parce que ça me fait marrer dans Jojo Bizarre, c'est genre... L'Inde, genre... Ils arrivent en Inde, c'est une putain de caricature immonde. Alors, il faut détruire au moins 5 goûts. Et tu... Ah oui, c'est vrai que le truc fait... Genre, il arrive sur le machin... Et il squish. Il fait mal comme ça. Ah oui, il se divise. Oh l'enculé. Non. Attends. Ce bleu. Voilà, et maintenant ça en fait des trucs qui ont 2 PV. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite tuer ce truc. Que je peux aller...
là. Et toi, tu peux aller... Non, attendez. Je veux sortir le tank en premier. Donc, moi, je vais aller là. Je sors le tank ici. Et le tank, il va là. Et il pousse. Et là, on est bon. On est d'accord. On est d'accord que là... Il n'y a pas de bâtiment merdique qui prend des dégâts. Ah non, mais moi, genre, je parle en manga, Jojo. Ah, par contre, là, c'est chiant parce que... là, c'est chiant. Le tank, s'il peut temporiser... Ah, attends, merde. Non, ouais, le tank, s'il peut temporiser ce truc-là... Moi, ça me permet de tuer ce truc là-bas. Et maintenant, je peux faire en sorte que ça l'intoxique, c'est pas très utile. Par contre, ça me permet d'en tuer un. Si je vais là et que je ressaute sur mon truc. Ouf, voilà. Et je bloque encore la sortie. Et lui, en plus, il va taper le petit. Et il y a le vaisseau, l'avion peut encore bouger, mais c'est pas très grave. Au niveau des PV, on est bon. Lui, il tape dans le vent. On est bien. Ce genre de jeu à 5h du mat. Mais justement, je sais pas pourquoi. Moi, ça me fascine trop, quoi. Il a mangé son propre goût. On tue encore deux, putain. Ah, ça y est, regarde, il en a marre. Il veut tuer le... Il veut tuer le petit tank. Alors, il y a un goût qui s'est ramené là. Oh, un petit tank, GG! Je reviens là, et... Si je fais ça, lui, il meurt dès le début. Et de toute façon, on les a déjà tués. On a déjà tué les 5 qu'il fallait. Puisque lui, il commence à avoir pas beaucoup de vie, quoi. Mais j'ai pas encore fini de jouer, moi. Lui, il meurt. Bon bah tu sais pas quoi. Tu sais pas qui. C'est pas Kito. Ah, ce petit tank du plaisir. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'il y a des machins qui sortent. Lui, il veut bouffer ça. Lui, il saute là-dessus. L'abeille, elle attaque. Putain, là, ils attaquent tous les buildings. Ok, d'accord. Voilà, le petit tank a encore sauvé la vie de milliards de gens. Ouais, je prends l'XP. Merci, c'est gratuit. Petit blob, je te pousse. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. C'est bien, tu connais ton nom maintenant. Bon alors, comme je ne suis pas con, shoot a projectile that phases through objects. Oh, oh, artillery with potential to launch multiple small projectiles. Ah d'accord, au début c'est un truc normal, puis après ça fait de plus en plus mal. Le smoke mortar. Ça smoke et ça push. Bon, en vrai, je vais faire clac et pouf pouf. Voilà, parce qu'il y en a marre. Là, je suis bien sur ma formation. Ah mais oui, lui, il a toujours le stock, le shock cannon. Il y a peut-être moyen de faire des trucs plus cool. Ah, la range du... Alors, qu'est-ce qu'on booste? La range du... la range de l'avion. Ou
les dégâts de l'artillerie. Mais on peut pas les dégâts de la smoke, il faudrait que j'enlève je peux pas enlever les dégâts de la smoke. La range de l'avion, c'est cool. Ah oui, parce que ça fait deux. Ah oui, non, parce qu'attends, oui, attends, si tu enlèves, si tu rajoutes la range, ça tire sur deux ennemis, donc ça fait 2-2. Pourquoi ils disent que ça fait un dégât? Normalement, ça devrait faire 2 et 2. Après, je peux essayer de faire 4 dégâts avec l'artillerie, et comme ça, là, les machins, ils font jamais chier, quoi. En vrai. Donc, je sais pas. Soit le fait de passer à travers 2 ennemis, soit le fait de faire vraiment 4 dégâts. Parce que l'avion, là, qui fasse déjà 2 plus le smoke du prochain tour, ça fait plus 1. Enfin, bref, c'est quand même bien, quoi. Vas-y, on part là-dessus. On part là-dessus, je veux de la force de frappe. Est-ce qu'on fait la quatrième île au risque de mourir du cul? Au bout de 2 heures de jeu? Rien n'est moins sûr. Non, on part sur un 3. Go! Vous me faites pas peur! Cette fois, j'ai 5 points de vie pour finir cette mission. Avec Adrienne! Adrienne, c'est sûr, je la garde dans une autre timeline. Hein. Donc Adrienne ne meurt pas. Benzaï Live. Je ne sais pas s'il va falloir couper la VOD maintenant, donc dans le doute, on fait ça. Je dis un jingle. Random. Voilà, voilà. Oh putain, vous êtes déjà les pires fils de pute de l'univers et je vous déteste. Regarde, parce que là je peux même pas aller là. Tu te rends compte, j'aurais déployé mon vaisseau là. J'aurais pu faire déjà un truc sympa. Et non, c'est interdit par la loi. Bon, lui de toute façon il va mourir tout de suite. Qu'est-ce que je pourrais faire? Éventuellement. Annuler cette attaque. Oui. Faire ça. Ah, lui il fait 3 et 3. Ah, oh, putain, ça c'est très très chiant. Attends. En fait, il faudrait que je le pousse à côté. Il peut pas traverser l'eau, le tank. Et non. Et merde! La mouche meurt pas. Comment ça la mouche meurt pas? Ah oui, ça devient de la lave. Oh putain. Oh reset. Putain, c'est pas des boules de feu, c'est de la lave. C'est pas des boules de feu, c'est de la lave. Ok. Bon, de toute façon, on n'était pas trop mal parti. C'est juste que je voulais forcément tout optimiser. Voilà.
Elle meurt lors du changement de terrain. Et bonsoir par ici. Mais non, parce que la lave, elle vole, vois-tu. J'espère n'avoir rien oublié. Putain, qu'avec 4 de dégâts, le machin soit pas mort, ça me fait vraiment trop chier, quoi. Oui, comme par hasard, c'est tout sur ma gueule. D'accord. Ah, et l'autre, en plus, il me fait chier, là. Ah oui, d'accord, vous voulez tous vous payer une tranche de benzaï. Très bien. Bon, lui, par contre, là, cette fois, il meurt. Ok, donc lui, il n'existe pas. Donc, c'est surtout ça qu'il faut protéger. Et là, par contre, vous allez me casser les couilles. Donc, en soi, ce que je peux faire, c'est tuer tout le monde, là. Tac. Partir là-dessus, voilà. Donc là maintenant, il n'y a que lui qui attaque rien. Je peux même... En soi, je peux même marcher par là. Le petit tank le mettre là, il va bloquer un truc. Et lui, il bloque un autre truc. Et... Là, je bloque un quatrième truc. Donc là, ça fait 1, 2, 3 spawns, plus un qui meurt. Donc prochain tour, il n'y a même pas de... Il se passe rien en fait. Il y a juste lui qui va essayer d'attaquer quoi que ce soit. Mais là, on est bien. Le petit tank est mort. Bah non. Ah, sur une boule de feu, merde. Ah merde, putain. Merde, c'est un hareng. Putain, j'avais pas prévu. Oui, parce que les boules de feu tombent avant, donc le machin va sortir, voilà. Il va sortir enflammé. Et merde. Je n'avais pas prévu ça parce que j'ai jamais l'ordre dans la tête. Donc en fait, c'est la même merde. Bon, ils sont tous enflammés. C'est un peu chiant. Lui, il va prendre un dégât au début de son tour. Et il fait en sorte que on prenne tous un damage. En soi, on est assez tanky pour survivre à ça. Lui il attaque ça et lui il attaque ça. Ok, donc ils attaquent tous les deux le même truc. Voilà, là ils attaquent plus rien. Pour essayer de te tuer, mais en fait c'est chiant. Parce que à derrière je vais prendre 3 de dégâts. Et je n'ai que ça comme PV. Ce que je vais faire, c'est me mettre là. Me soigner. Et tant pis si on prend tous un dégât au début du tour. Ah, j'aurais pu essayer de lui faire 2 dégâts, j'avais pas fait gaffe. J'ai pas réalisé qu'en fait il aurait pu juste crever si je l'avais down. Avec ta nouvelle run, je t'aurais pu les stun. Ah mais oui, c'est vrai. On a débloqué exprès un truc pour faire des doublés. C'est pas grave, au prochain tour je vous place un truc de fou. Ok, ça c'est chiant. Ça c'est extra chiant. Mais qu'est-ce qu'ils me font là? Comment je survis à ça? Ça, ça va faire 2 de dégâts de grille. Ça, ça fait 2 aussi. Ça, ça fait 2. Donc, en fait, ils veulent tous baiser cette grille-là. Très bien. Okay. Lui, je peux le pousser dans ses rochers. Derrière les rochers, mais... Après, il a 4. Si je le tue, c'est déjà pas mal. Mais sauf qu'il n'y a que lui qui peut empêcher le blob d'exploser. Tu vois, il y a que celui-ci qui peut l'exploser lui.
Putain, pourquoi il peut pas juste marcher là? J'aurais pu le pousser là-bas, parce que sinon je vais perdre mon tank. Parce que là, si lui, je l'avais fait déplacer sur le côté, j'aurais pu après utiliser la smoke, faire pouf pouf. Comme ça, là, il n'y a pas d'attaque ici. Mais lui, il faudrait aussi le neutraliser. Le psy va mourir du feu. Tire-toi des boules de feu. Ouais. Attendez. Parce que en fait, il faut que je me serve de celui-ci pour péter ça. Je vois pas d'autre solution parce que j'ai pas accès à qui que ce soit d'autre. J'ai pas trop le choix. Ah mais oui, mais ça fait un dégât. Ah ! Ah, trop chiant. Sers-toi du feu des boules. Et tu veux que je fasse quoi avec le feu des boules? Comment ça? Genre, regarde, là, je peux même pas lui le pousser dans les boules, ni là, ni ailleurs. Qui voulez-vous que je pousse dans le feu des boules dans cette configuration-là? Pousse deux fois! Ah! La grille de gauche est condamnée. Bouge Pulsex, bouge Racaillou avec la roquette. Mais ça sert à rien de bouger Racaillou avec la roquette, il tapera dans le truc à côté. Ah ben non, parce qu'après il se fera tuer. Il perdra forcément une grille. Ouais, il mourra de boule de feu, ouais. Si je bouge plus le sexe. Mais je peux l'empêcher d'attaquer. Si je fais ça, après, je peux pas... Je peux rien faire à part le foutre à côté. Pour que lui meure de la boule de feu. Enfin, de toute façon, il meurt tout court. Mais voilà, et là. Je peux rien faire là. Ça va exploser. 21 égale 100%. Allez, let's go. On a une chance sur 5 de sauver. Tu pouvais le pousser avec l'araignée? Non! Non, je pouvais pas le pousser avec l'araignée, c'est dans la lave, on l'a essayé! Bon, Coco TV, t'es abonné, je vais pas te bannir. 21 égale 104, bah oui, si 17 égale 100. Moulax aveugle, aveugle Moulax. Moulman encore frappé. Des os, j'avais pas vu. Mais je stream pour qui? Les petits oiseaux? Alors. Il y a bien sûr un boss, faut défendre la Renfield Bomb. Mais cette fois on a 5 PV. Par contre ils sont vénères, hein. Ils sont très très déter. Lui veut faire un dégât, lui veut faire 3 dégâts. Ok, non mais vous avez décidé d'être chiant. Oh putain, en plus là tu choisis même pas le placement. Je pourrais sacrifier un petit tank.
Ouais, le tank revient, hein. Le tank pousse le boss dans la lave. Même me foutre là, hein. Pas besoin du petit tank, mais ça peut être bien. De toute façon, invoquer le tank en premier, ça peut être très bien. Ah mais en plus, il... Non mais il meurt d'abord, mais lui après il va quand même vouloir tirer. Donc il faudrait quand même lui le tuer. Il va mourir tout de suite. Ah mais il y a ce con là. Et là je suis obligé de tanker. J'aurais dû tanker en mode bubule. Ici. Mais non, parce que le pousser dans la lave c'était très très bon. Il dash et il te pousse. Merde, attends. Bon déjà se débarrasser du boss c'est bien. C'est pas grave si de prendre 3 dégâts là. Et regarde. Aïe. Là il veut taper là-dedans. Lui il veut taper comme ça. Oh là là, bon, ils s'en foutent complètement de la bombe. Hein. C'est assez, assez mirobolant. À quel point ils s'en foutent de la bombe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça fou, je trouve ça mirobolant. Oh! Mais putain, on n'était pas équipé du double combo! Là, j'ai voulu, me servir du double combo, je l'ai même pas! Comment je peux me mettre là? Oh non, putain! Ah! Là, lui, si je le pousse comme ça en arrière, il tape quand même! Lui, il tape. Lui, je l'empêche d'attaquer. Lui, il attaque n'importe quoi. Lui, il est en PLS. Ok, mais sauf que là, le tank, si je le pousse comme ça ici, il attaque quand même cette grille-là. Si je le pousse en arrière, il attaque quand même cette grille-là. Je peux pas faire le tour. À gauche. Non, il capte pas, il fait que un coup. Il tape une seule case, non? Ah non, il tape la case de derrière. Ah non, c'est lui qui tape la case de derrière. Ah! Oh! C'est chiant parce que c'est les tours où tu sauves les meubles, mais tu sais que après c'est encore chiant. Blah. Blah. De stress. Ah non mais oui, c'est... moi je suis un homme stressé.
Ah, enfin il attaque la bombe. Vous voulez tous faire des dégâts, quoi. Oh non, pas les trucs qui explosent. Oh non, y a rien de plus chiant que ça. Ah mais le truc, de toute façon, on va mourir. Ah oui, mais de toute façon, on peut l'ignorer. Ok, ok. Attendez, on peut l'ignorer. Faut pas que je foute la bombe dans la lave. Je n'ai plus de tank, mais le tank est là. Peut-être tuer celui-là pour que ensuite. Comment faire pour que. Tu veux faire 3 de dégâts par là? Voilà, lui c'est celui qui m'intriguait le plus. Lui il veut faire 3 de dégâts comme ça. Lui il veut faire. Lui il veut rien faire. Donc au final. C'est surtout lui qui est chiant. Que je peux pousser. Comme ça. Pas trop à quoi ça servirait de lui de le pousser quelque part. J'aurais pu essayer d'en pousser un ou deux, je sais pas. De faire le tour et d'en pousser un à l'intérieur des trucs. Mais ça paraissait quand même bien de s'en débarrasser d'un. Risette, l'artillerie va en prendre plein le cul. Mais non, que 3. Elle va prendre que 3. Par contre, lui, il veut taper... Ah putain, j'ai pas vu que lui voulait taper la grille. Ouais, mais du coup... Je me disais, tant que j'ai ça, machin bidule. Mais non, attends, on va Risette. Mais lui, ça sauvait un gros truc quand même. Hein. Putain, je vois pas trop quoi faire. Non mais tant pis pour le dégât de 1 de grille en fait. Faut pas déconner. Voilà, tant pis. Là, on a 21% de chance de sauver un de grille. Avec le tank, pousse son pote à côté, ça le tue. C'est pas grave, là c'est trop tard. Oui! Voilà, de toute façon, qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi on stresse? Alors, tout le monde est sur la même ligne. Très bien. Bravo les enfants. Vraiment un grand bravo. Alors attendez. C'est vrai qu'on a le droit de bouger les ennemis jusqu'à ce qu'on peut, et on peut faire undo pendant jusqu'à ce que machin. Donc attends, le tank, il peut même pousser le blob dans les flammes. Et lui, il veut taper et c'est tout ce qu'il y a. Par contre, la bombe elle va mourir.
Ah non, la bombe, elle allait pas mourir. Oh. Ah mais ouais, mais attendez aussi, là, ça fait style, la bombe va mourir, mais en fait elle va pas mourir. Ouais. Oh mais non, quoi. Ben je la mets là. Ah mais attendez, c'était stressant. Ah c'est un truc psion. Ah c'est très chiant par contre ça. Ah mon vaisseau est mort de toute façon. Et de toute façon on a gagné. Adrien. Moi j'étais encore en mode genre il y a 10 000 tours. À dire que j'aurais pu juste pousser l'abeille, réparer l'avion et pas perdre de gars. Mais on a fini le jeu normal. Après avoir fait 3 îles. On garde Adrienne hein, sur cette timeline. Hein. Bren Prunty. On a sauvé à peu près 4,6 milliards de morts. Bah on se... Immune au feu, comme dans FTL. Plus 3 de vie, plus 3 de grille, plus 1 mec move. L'autre a fait plus 1 mec move, plus 2 HP. Ah par contre elle a le shield. Ouais mais de toute façon, elle est déjà dans les trucs de base. On garde Adrienne, s'il te plaît. Oh on a 4 pastilles. C'est pas tant que ça en fait. Eh ben on achète ceux qui coûtent 3 quoi. Les Zenith Guard, qu'est-ce qu'ils font, les Zenith Guard? Alors, du coup, t'as le laser mec, qui permet... Ah oui, c'est ça, c'est celui qui fait 3 à côté, 2 après, et 1 après, et puis que des 1, quoi. Oh là là, ça a l'air tellement dégueulasse. Le charge mec, il a 6 PV d'avance, ok. Et 4 de... Ah mais c'est parce que, attends, si je change, il a que 3 PV, ah oui d'accord, ok. Oh putain, mais il est trop fort, Adrienne. Le charge mec. Ah oui, il charge comme un scarabée. Fly in a line and slam into target, pushing and hurting yourself. Ah oui, tu prends un dégât. Ah non, ça c'est un peu chiant, par contre. Faut vraiment faire des grosses strats. Hein. À mon avis, t'as vite fait de le. Levelopé au point que ça lui fasse plus de dégâts. Et ensuite le défense mec qui peut attirer un ennemi d'une case vers lui alors qu'il ne bouge, c'est-à-dire qu'il n'a que 2 PV et il vole. Et ensuite il peut quoi? Envoyer du shield aux gens. Silence!